ce serait les grands classiques de la chanson française, évidemment, parce que mes parents écoutaient beaucoup ça. Donc il y a énormément Brassens. Et ce serait mon troisième grand-père, en fait, qui est toujours très présent. En prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi. Si on peut prendre les bases, on aurait Anne Sylvestre, par exemple. Ouais. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. En papa, il y aurait peut-être un Renaud. Lola, je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Ouais. En maman, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Et alors du coup, voilà, c'est deux papas. Ce serait peut-être Souchon? Ouais. Foule sentimentale, on a soif d'idéal. Donc en fait, moi, je me suis construit sur cette base-là. Et puis, ce qui était déjà plutôt cool, en fait. Et puis, à l'adolescence, j'ai tout balayé. Et là, est arrivé le rock et le métal. Il y aurait, par exemple, comme tonton, j'aurais James Hetfield, le chanteur de Metallica. Ouais, ça, c'est un tonton cool. Hein. Nothing else matters. Il y aurait les Rita, il y aurait Catherine Ringer. Ouais, qui serait un peu... Ah ouais, qui serait un peu la tante, tu sais, un peu dingue, quoi. Hyper rock'n'roll qui monte sur la table et qui envoie tout péter et qui soulève un peu les trucs, les tensions dans les familles et qui fait tout voler. J'aime bien ce personnage. Et puis les Rita, évidemment, j'ai grandi avec parce que c'était les années 80. La mise à 10 s'enlise et là, ça fait peur. Si c'est ça. Si, alors, préadolescence, il y a Jean-Michel Jarre. Si, il faut que j'en parle comme ça, parce que ça m'a quand même aussi construit. Ouais, ça serait un tonton aussi, ouais, qui ne s'entendrait pas avec James Hetfield. Ouais, donc, ce serait un peu animé, les débats en musique au repas de famille. Donc, Nikki Sixx, qui représente vraiment une période, et c'est une espèce d'icône du glam metal de cette époque-là, qui était vraiment décadente, qui était, enfin, c'était vraiment quelque chose de particulier. Alors, les enfants, il y aurait des enfants, des groupes comme Face No More, par exemple, qui mélangent le hip-hop et le métal. Où là, ça décloisonne complètement, et tant mieux. Donc là, les petits-enfants, c'est des hybrides, en fait, et c'est génial. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, en fait, je fais des trucs un peu hybrides, mais c'est ça que j'aime bien.